Harold à Thomas et Percy. Salut les gars, à vous. Harold ! Harold de l'hélicoptère ! Waouh ! Ça me fait trop plaisir de te voir. Même chose pour moi, je suis très content, à vous. Premier matelot, Percy, nous arrivons à un aiguillage, dans l'océan. Prenons à gauche, droit vers les vaches. Je crois qu'il veut absolument que tu vois les vaches. Oui, Thomas et moi, nous devons livrer un sous-marin. Au pont, à gauche, on doit se diriger vers les vaches. De jolies vaches, en effet. Bon, j'ai une livraison pour le port. Salut, terminé. Salut, Harold. À bientôt. Oh, il ne m'entend pas avec ses hélices. Désolé, capitaine. Je n'ai pas entendu à cause des hélices d'Harold. Oui, je n'entendais pas non plus. Ces hélices font tellement de bruit. Mais Harold est fantastique. Absolument. Mais il faut qu'on trouve un moyen de communiquer, même s'il y a du bruit autour de nous. Même s'il y a du bruit, nos sifflets sont plus puissants. Écoute ça. Un coup, ça veut dire oui. Et deux, ça veut dire non. D'accord. Et... un long coup de sifflet veut dire on accélère. Et deux longs coups, on ralentit. D'accord, c'est compris. Quatre petits coups si on veut aller super vite. Un long, un court si on veut aller juste un peu plus vite. Et trois coups rapides si tu veux qu'on s'arrête. Même chose si tu veux qu'on démarre. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Oui, ça va aller. Eh bien... génial. Alors, on reprend la route. Premier matelot, Percy, accélérons pour franchir ce tunnel. Un long coup de sifflet. D'accord, ça, c'était un long coup de sifflet. Ça veut dire... on accélère. Génial, il a compris. D'accord, alors c'est parti. Le pont est levé, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est trois coups. Quoi, 12 coups? Oh non! Percy n'entend peut-être pas de l'autre côté de la montagne. Il faut que j'essaie autre chose. Oh. Hein? Oh, c'est marrant! Thomas a envoyé un signal d'arrêt. Un signal d'arrêt? Stop! Encore une journée bien calme au fil de l'eau, hein, Thomas? Oh, oh, si calme. C'est pour bientôt. Alors, tu le vois? Pas encore. Les amis, l'un de vous a vu le passage à niveau? Pas maintenant, Thomas. Il arrive d'une minute à l'autre. Oh, je comprends. Petit Bao arrive aujourd'hui. Il vient pour le feu d'artifice de ce soir. J'ai tellement hâte de le voir. Lui et le tigre super cool qu'il a sur le flanc. Et entendre son sifflet qui ressemble à un rugissement. Oui, comme ça. C'est sûrement lui. Bonjour, marin d'eau douce. J'ai à mon bord un passager qui semble bien impatient de vous voir. Bonjour à tous. Je suis tellement heureux de vous retrouver tous à Sodor. Et j'ai une surprise pour le feu d'artifice de ce soir. Elle vient tout droit de Chine. C'est fantastique! Mais tu peux nous dire comment tu as gagné ton tigre super cool et aussi un tout petit peu effrayant? S'il te plaît! Oh oui, dis-nous! Oh, ça n'a pas été si difficile. J'ai juste aidé quelqu'un. Mes pistons en frémissent d'impatience. D'accord, d'accord. Je l'ai gagné la fois où j'ai secouru... oh, Annie et Clarabelle. Annie et Clarabelle? Je croyais que tu avais sauvé une loco enfouie sous une avalanche de neige. Non, James pousse Annie et Clarabelle par ici. Mais le passage à niveau est coincé et il ne voit pas Gordon arriver. Il faut les arrêter. Oh oui, les amis, j'ai voulu vous le dire tout à l'heure. Gordon! Gordon! Hein? Nom d'un piston! Oh, ah! Oh, 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 oh
Bao. Très bien joué. Merci, petit Bao. Et tu n'as même pas eu peur. Ça ne va pas, Thomas? Ben, c'est moi qui aurais dû sauver tout le monde. J'avais vu les barrières coincées et j'allais avertir quelqu'un, mais... Petit Bao est notre héros. Vous avez vu ça? Oh oui. Alors, tu as eu l'occasion d'être un héros et tu l'as raté? Oui. J'aurais voulu montrer à Petit Bao combien je suis courageux. Enfin, tu n'es peut-être pas la loco la plus courageuse de Sodor. Tu as bien vu comment Petit Bao, lui, s'est précipité à la rescousse? Mais je l'aurais fait aussi. Tu es la plus courageuse des locos. Bon, retournons à nos livraisons pour ne pas rater le feu d'artifice de ce soir. À tout à l'heure. À ce soir, Bao. Nous allons à la plage où les mouettes batifolent. Je veux la découvrir, j'ai le moteur qui s'affole. Une brise marine doucement m'envahit. Allons vite à la plage de... Wow. Oh, je n'ai jamais vu ce pont-levis avant. Jamais, jamais. Mais pourtant, c'est ton raccourci. Est-ce qu'on s'est trompé? Non, ils viennent juste de l'installer. Il ne m'a pas l'air très récent. Peu importe, viens vite. Il faut au moins qu'on fasse une descente. Oui! Nom d'emprunt à vapeur. J'adore les ponts-levis. Vas-y, essaie. D'accord. Les montagnes de mon itinéraire, elles sont vraiment très loin. Heureusement qu'on prend un raccourci. Eh bien, c'est vraiment un joli raccourci. Génial. Hein? Tu ne m'avais pas dit qu'on passerait devant un château d'eau rose? Comment ça, un château d'eau rose? C'est une jolie surprise. Salut la vache, je suis Nia. J'adore tes taches. Tu veux danser? Je ne me souviens pas d'être passée près d'une ferme. Hé, Nia, peut-être qu'on devrait plutôt bouger. Exact. Je danserai avec cette vache une autre fois. Au revoir, la vache. Au revoir, Château d'eau rose. Je pense que c'est le bon chemin cette fois. Hey, j'ai trouvé l'orée de la forêt. Viens vite. Attends, ce ne serait pas le château d'eau rose auquel je viens juste de dire au revoir? Non, non, l'autre était bien plus... rose, je t'assure. Vraiment? Parce que je suis presque certaine que c'est la même vache aussi. Bonjour Sandy, bonjour... Fait une jolie musique. Mais ce n'est pas celle-ci qu'on doit chercher. Oh, oui, c'est vrai. Carly, Sandy, avez-vous vu Gordon? Oui, il y a un petit moment, quand il est venu déposer cet olondulé. Il devait livrer des instruments de musique à la ville des Vicaires pour un concert. Oui, mais il n'est jamais venu. Peut-être qu'il est au dépôt du courrier. Il a dit qu'il devait s'y arrêter après avoir déposé les tôles. Allez, on va vous aider à le chercher, car le spectacle doit continuer. C'est vrai, tout le monde le dit. Gordon, on doit trouver Gordon. C'était quoi ce bruit? On aurait dit de la musique. Oh oui, c'est vrai. On entend de la musique partout aujourd'hui. Excepté sur la scène du concert. Gordon a tous les instruments et il est introuvable. Je l'ai croisé vers le pont-levis en revenant ici. Alors, on y va.
Oui, parce que... Le spectacle doit continuer. Comment as-tu deviné que j'allais dire ça? Une petite intuition. Allez, si on ne trouve pas Gordon très vite, il n'y aura de concert pour personne. C'est parti! À toute vapeur! On aurait déjà dû trouver Gordon. N'abandonne pas déjà! Oui, car ma cloche porte-bonheur nous accompagne. Et comme toujours, la chance sera avec nous et on trouvera Gordon. Merci. Est-ce que c'est toi? Ça, c'est la voix de Gordon. Oui, c'est bien Gordon. Je vous avais dit que ma cloche est efficace. Oh. Gordon! Que se passe-t-il? Le levier qui fait baisser le pont est bloqué. Alors je suis coincé aussi, du coup. Si on ne peut pas faire passer les instruments de ce côté, il n'y aura pas de concert aujourd'hui. On va y arriver. Le spectacle doit continuer. Carly, peux-tu accrocher le pont-levis? Un jeu de wagonnet. Très bien. Maintenant, tire! Mais le pont est beaucoup trop lourd. On devrait essayer de tirer tous ensemble. Allez, tout le monde! Vous avez réussi. Bien joué, les petits amis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois être à la ville des vicaires avant le début du concert. La, 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 la. Bonjour, James. Les petits. Oups, j'ai recommencé. Bonjour, Emily. Diesel, tes conduites font énormément de bruit. Clickety-clack. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien avec ces conduites qui s'entrechoquent. J'ai dit, tes conduites font énorme. Quoi? Il faut que je m'éloigne de ce bruit. Oh, tu veux faire la course? C'est parti. Non, je ne veux pas faire la course. J'essaie juste d'arriver à destination en silence. Tu ne te débarrasseras pas de moi, Thomas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hé, hey, mais où vas-tu? Au port de Brendam. Mais en silence. Oh, tout est calme et tellement paisible. Et tellement chaotique. Et ça tourne. D'un train. Et vous qui êtes-vous? Elles dorment encore. Wow! Si tout ce bruit ne les a pas réveillées, rien ne les réveillera. Oh, c'est l'heure du déjeuner. J'aimerais bien une bonne tasse de thé. J'ai parlé trop vite. Je dois les mettre à l'abri de la pluie. Ah, voilà un tunnel. Génial. Bon, au moins ici, on est au sec et au calme. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non. Chut. Chut, 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 chut. Comment signaler ma présence sans faire mon bip? Oh, la lumière. La lumière, c'est silencieux. Bonjour, Percy. Bonjour, Thomas. Pourquoi est-ce qu'on chuchote? J'emmène Annie et Clarabelle au port pendant qu'elles dorment. Cool! Comment ça se passe? C'est plus difficile que je le croyais. Peut-être que je pourrais t'aider avec ma cloche porte-bonheur. Absolument! Mais n'oublie pas, nous devons rester super ultra silencieux. Je serai encore plus discret qu'une souris! Oh, petite souris! Wow! La vieille mine est bien plus vieille et... mineuse que je l'avais imaginée. Et obscure. Et effrayante. Oh, c'est vrai.
vrai. J'ai la cloche porte-bonheur de Percy. Avec cette cloche à mes côtés, rien ne peut m'arriver. Alors, c'est parti! J'ai eu chaud! J'ai réussi! Thomas! Il n'y a peut-être pas de fond. J'ai réussi! J'ai traversé la mine! Et tout ça grâce à la cloche porte-bonheur de Percy! Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Je n'aurai plus de frayeur quand les choses peuvent dérailler, parce que j'ai ce porte-bonheur qui est à mes côtés. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Des grottes hantées ou des rails cassés, cette cloche a un vrai don. Elle est toujours prête à me sauver, à me servir de wagon. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Percy qui me l'a donné, c'est vraiment mon ami. J'en prendrai soin, oui c'est juré, je le ferai, c'est promis. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-pop. Oh oh. Ouf. Oh non, la cloche de Percy. Oh oh. J'avais fait une promesse de Thomas à Percy. Je devais prendre soin de sa cloche. Oh, j'ai échoué. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste dire la vérité à Percy et je suis sûre que tout se passera très bien. J'espère que ma chance n'est pas en train de tourner. Doucement, Mérou! Doucement! C'est fini, la chance est partie. Sans le porte-bonheur de Percy. Oui, je sais, mais ne t'inquiète pas. On va le faire ensemble. Comme les wagons des montagnes russes. Et tu seras notre passager, bien en sécurité au milieu. On fait un petit essai? Oui, c'est vrai que c'est assez agréable. Je veux bien. Hop, hop, on monte la colline. Clic, 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 clic. Tu es prêt? Je peux y arriver. Je suis bien en sécurité au milieu. Ça va aller. Je retire ce que j'ai dit. Sur mon visage, ma vapeur qui s'échappait. Ça faisait très très peur, mais pas vraiment, mais très peur quand même, mais pas trop. Mes roues en tremblent encore. Et maintenant? C'est le tunnel le plus noir et le plus effrayant de Sodor. Ce sera exactement comme dans le tunnel des montagnes russes. Mais il n'est pas aussi noir ni effrayant. Et qu'en penses-tu maintenant? Crier? Tu es très fort pour crier. Oui, j'ai énormément d'entraînement. C'était comme voler dans le noir. Juste un petit peu plus effrayant et rigolo. Et maintenant? Suis-nous. Tu vas voir, tu vas adorer. Ah oui, on a tous peur, c'est tout à fait normal. Mais petit à petit, ton courage va grandir. Fais face à tes peurs. Tu en sortiras vainqueur. Et
Et pour que tu sois rassuré, des amis sont à tes côtés. Bienvenue sur le circuit, le plus grand, le plus raide et le plus difficile de tout Sodor. Mais on dirait le pic de la chevauchée. Oui, il y a un grand tournant comme dans les montagnes russes. Je sais que tu as un peu peur, mais nous sommes avec toi. Alors si tu... Oui, je sais, je sais. En avant! Une chose blanche et noire. Est-ce que c'est une vache? Oui, voyons. À ton tour. Mes yeux voient quelque chose d'argenté avec beaucoup de virages. Ce ne serait pas ces rails qui ont l'air d'aller dans tous les sens? Oh, oh, des rails qui vont dans tous les sens? Tu ne crois pas qu'on aura du mal à les suivre avec notre cargaison super lourde? Ce sera facile comme tout si on travaille ensemble. C'était un peu chaotique, non? Oui, heureusement que notre équipe va doucement. Hé, hey, Percy! Je veux jouer avec vous! Mes yeux voient! Wow, 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 wow. Oui! C'était vraiment chouchou trop génial. Et tu avais raison, c'est facile comme tout quand on y va ensemble et tranquillement. Wow! Ah! Ah! Attendez! Va moins vite! Ils ne nous entendent pas. C'est à toi que je parle. Wow! Ah! Nom d'un vieux rail rouillé. Avancez. Il s'en est fallu de peu. Oui, et finalement on s'est bien amusé, non? Mais on devrait faire plus attention si on veut livrer ces maisons en un seul morceau. Oui, tu as raison. J'ai un peu trop pensé à Percy et à notre jeu. Mes yeux voient... Mais on pourrait le rattraper en passant par ce tunnel. Allons-y. Je ne comprends pas trop où est le problème. Pourquoi on ne pourrait pas jouer aussi à mes yeux voix? Attends, je commence. Mes yeux voient... quelque chose de blanc et noir. Est-ce que c'est... Oh, cette moufette? Une moufette? Quelle horrible odeur. Pour une toute petite moufette. Mais tu devrais voir ta tête maintenant. Ma tête? Toi, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Repartons, on a encore le temps de rattraper Percy. Kana? Pourquoi tu n'avances plus? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis arrêtée tout d'un coup. Tu n'as plus de vapeur? Je n'utilise pas de vapeur. Je fonctionne à l'électricité, mais ma batterie est chargée à fond. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien. Je suis juste à l'arrêt. Comment vais-je emmener mes wagons à la gare de la ville des Vicaires maintenant? Et si je tirais tes wagons et toi jusqu'à la ville des Vicaires? Mais tu ne seras peut-être... pas assez rapide pour arriver là-bas avant ce soir. Je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je vous emmènerai là-bas à temps. C'est une promesse de Thomas. Top électrique! Merci, Thomas. Allez, accroche-toi. Ça va rouler. Tu t'en sors, Thomas? C'est plus lourd que je ne le croyais. Il va falloir que j'y mette un peu plus d'huile d'essieu. Oui. On est sur la bonne voie. Thomas,
Est-ce que tu crois qu'on pourrait essayer d'aller un tout petit peu plus vite? Nous ne sommes pas seuls. Thomas, pourrais-tu accélérer un peu le rythme, s'il te plaît? Nous devons impérativement nous rendre à Hardwick, mon grand. Et nous devons y arriver aujourd'hui, mon mignon. Oui, je comprends. Je fais de mon mieux. Je croyais que les trains à grande vitesse étaient censés rouler à grande vitesse. Elles vont en marche arrière ou quoi? C'est la première fois que je fais attendre les autres. S'il te plaît, accélère un peu, Thomas. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour t'aider? Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai une idée. Nous allons prendre une voie détournée. C'est mon raccourci secret. Merci, Thomas. Bonne chance. Sois prudent, mon grand. Ne te perds pas en route. Oui, ne te perds pas en route. Tu es sûr que c'est bien un raccourci, Thomas? N'aie pas peur. J'ai fait la promesse de Thomas de te mener jusqu'à la ville des vicaires avant ce soir et c'est ce que je vais faire. D'accord. Si tu penses que tu peux... Oh, attends! Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde la voie ferrée. Elle est pleine de montées, de descentes et de virages. Les trains à grande vitesse comme moi peuvent dérailler s'ils prennent les virages trop vite. Heureusement que tu as adopté la vitesse de Thomas. Accroche-toi à tes essieux, tu vas bien t'amuser, c'est moi qui te le dis. Qu'est-ce qu'il y aura d'amusant? Je vais te montrer. Tu es prête? Je crois. Oui! Je ne vois pas la moindre vache. Non, moi non plus. Peut-être que si on crie « meuh » comme ce matin, elles nous répondront et nous pourrons les retrouver. Ce serait comme jouer avec un écho. Meuh ! Meuh ! Meuh ! Meuh ! Oui, j'ai entendu. Meuh ! Ça vient de là? Les tracteurs, ça fait « meuh » ? Non, mais les vaches, oui. Meuh, oui. Ça fait 4, plus que 6. Y a des meux par-ci, y a des meux par-là. Meux par-ci, meux par-là, meux par-ci, par-là. Oui, oui, j'ai entendu. Meux par-là, meux par-ci, par-là. Ça fait 5 et 6 vaches. Meux par-ci, meux par-là, meux par-ci, par-là. 7 vaches. Perdu aucune, c'est très bien. Vous avez dû faire vraiment très attention. C'est vrai, mais on l'a fait en jouant. En jouant? Comment ça? Oui, on a joué à des jeux qui nous ont aidés à faire attention. Bien, en tout cas, ça a marché. Et en parlant de jouer, qui veut chanter « Le vieux McCall a une ferme en rentrant chez nous » ? Moi ! Moi aussi ! Eh bien, je suppose que je peux me joindre à vous. Le vieux McCall a une ferme. Ia, ia, oh. Et dans sa ferme, il y a des vaches. Je préférerais qu'on ne parle plus de vaches. Des poules? Parfait. Il y a des cocottes par-ci, il y a des cocottes par-là. Des cocottes par-ci, par-là. Le vieux McCall a aucune chance que Thomas gagne cette course. Je ne suis pas sur la bonne voie. Thomas, attrape! Merci, les amis.
prochain arrêt chez Whiff. Attention, à fond les wagons. Fonce, Thomas. Ne vends pas la peau de l'ours. Diesel est revenu dans la course. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais passer devant toi. Voilà qui devrait le ralentir. Oh. On se retrouve à l'arrivée. Oh. Oh. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais te rattraper. C'était difficile. Oh non! Oh. 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 Mes wagons! Oups! On est passé près. Oh! Percy, baisse-toi! Oh. Pas de panique, Thomas. J'ai dévié les voies pour arrêter tes wagons fugueurs. Carly, ils sont hors d'usage. Regarde. Oups. Moi aussi, je vais être hors d'usage. Oh non! Quel plongeon dans la boue! Attends, je vais te remettre sur les voies. Oh, à quoi bon? Diesel a pris tellement d'avance que je ne gagnerai jamais la course. Je ne suis peut-être pas un vrai numéro 1 après tout. Pour moi, tu es toujours le numéro 1. Tu n'as pas besoin de gagner une course pour être une bonne locomotive, Thomas. Et tu as promis à Gordon de faire sa livraison quoi qu'il arrive. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai fait une promesse et je la tiendrai. Parole de Thomas. Je vais siffler et faire tchou-tchou. J'ai promis d'être au rendez-vous. On va siffler et faire tchou-tchou. On poussera jusqu'au bout. Hé, hey, Thomas. Salut. Tu n'as pas fait bip dans le tunnel, tu vas bien? Gordon ne veut pas que je fasse bip sur la livraison. Mais écoute ça. C'est génial. Et tu peux totalement faire le travail correctement et faire bip en même temps. Je sais. C'est comme s'il voulait m'empêcher de m'amuser comme j'aime. Un peu comme pendant la course d'obstacles de ce matin. Oh, c'est pour ça qu'ils sont partis. Tu es effrayée par cette colline? Oui, c'est ça. Alors l'escalader n'est pas amusant pour toi? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que tu n'as pas aimé mon saut périlleux parce qu'il est comme cette colline? Oui, c'est ça. Alors le super méga saut périlleux s'est transformé en super méga... saut cafouilleux! Oh, Percy, je ne savais pas que tu ressentais ça. Je n'étais pas le seul. Hein? À plus tard, Thomas! Percy, attends! Je peux le faire, je peux le faire! Hé, hey, Kana! Je dois vraiment me concentrer, là. Ces virages sont terribles pour moi. Oh! D'accord, comme dans la zone des zigzags, les virages devaient être terribles aussi pour toi. Oui. Hé, hey, Kana, je suis vraiment... Salut, Thomas! Désolée. Attends! Tu vois qu'on est bien dans la boue. C'est vrai qu'elle fait du bien, mes engrenages. Oh, c'est pour ça que tu t'entêtais à sauter dans la boue au lieu de la survoler. Hein? Je me suis trompée, évidemment. J'ai fait des règles idéales pour moi, mais chacun a sa façon très personnelle de s'amuser. Je sais comment remettre les choses sur les voies. Coucou, les amis. J'ai une grande surprise pour vous sur ma course d'obstacles. Venez vite voir. Je dois aller brosser ma cheminée. Oui, je dois recharger mes batteries. Je vous en prie, vous aurez droit à un graissage des essieux en plus. D'accord, Thomas. Allons voir cette surprise. Tada! La nouvelle
nouvelle fabuleuse course d'obstacles de Thomas améliorée. J'ai compris que vous deviez pouvoir faire les choses comme vous vouliez. Alors j'ai tout refait avec quelque chose de spécial pour chacun de vous. Allez, amusez-vous. Tu aimes la nouvelle zone Zoom Zoom? C'est fantastique. Percy, il n'y a plus un seul drapeau dans ton wagon de livraison. Plus un seul? Mais je ne peux pas danser la pop du piston au défilé sans drapeau. On l'a peut-être perdu sur le chemin. Il faut juste qu'on refasse la tournée de Percy à l'envers. Il doit bien être quelque part. Alors je viens avec vous. Moi je file à la parade pour vous garder une bonne place. À tout à l'heure. Génial, c'est parti. On a demandé à tous ceux que tu as rencontrés sur la route de ta tournée. Alors il ne peut être que par ici. Cherchons un peu. Faites tchou si vous voyez de l'orange. Rien par ici. Et rien ici non plus. Tu l'as trouvé, Percy? Désolée, je croyais l'avoir vu. Mais c'était juste la carrosserie de Nia. Où peut-il bien être? Je l'ai trouvé. Je vais l'avoir. Diesel, attends. Reviens. Il ne nous entend plus. Il faut qu'on le rattrape. Il a mon drapeau. Hein? Attends, Diesel. Oh, on veut faire la course? Vous ne m'attraperez jamais. Oh non, il pense qu'on veut jouer à trap-train. Attends, Diesel, tu n'as pas compris. Diesel se dirige vers le tunnel. Où est donc passé Diesel? Regardez, il est là-bas. Ils sont forts. Il est fort, mais on est meilleur. Jamais. Et voilà, impossible de m'attraper. Il est de ce côté. Suivez ce drapeau. Hey, où allez-vous comme ça? J'ai gagné alors. Notre endroit pour la nuit. Ah, dormir en plein air. Sans toit au-dessus du moteur, quoi? Pas de mur derrière l'attelage. Je n'avais même pas pensé à ça. La musique de la forêt tout autour de nous. Je suis effrayée. Ne l'as-tu pas dit avant? Je ne voulais pas que vous pensiez que je suis en train de mouiller. C'est normal d'être nerveux. J'étais toujours nerveux quand je dormais ailleurs. Moi aussi. C'est vrai? Totalement. Et camper dans les bois peut sembler effrayant au début, mais c'est vraiment très amusant. C'est vrai. Il y a un nombre incroyable de jeux à faire quand on campe. Vraiment? Comme quoi? Tchou, 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 le train file à toute vapeur. Sur les rails, sur les rails, sur les rails, sur les rails, c'est le vrai bonheur. Waouh! Regarde ces constellations, Percy. Ça, c'est Trinus. Oh, et celle de la loco. Et la petite vapeur. Ce sont les constellations du taureau, des gémeaux et celle de la petite ours. Vous savez quoi? Je crois que je commence à apprécier le camping. Heureuse de l'entendre, Percy. Oh, que je crois qu'il est temps d'aller dormir.
dormir ? Oui, nous avons un long trajet à faire demain. On ferait mieux de se reposer pour être en forme pour faire nos livraisons. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Nia. Bonne nuit, Percy. Oh. Thomas, hey, Thomas, Thomas, Thomas. Oui, Percy. Ouf, tu ne dormais pas. Plus maintenant. Mais chut, tu ne dois pas réveiller Nia. Trop tard. Qu'est-ce qui t'arrive, le Camigo? Il y a tout plein de bruits bizarres autour de nous. Comme ça. C'est juste le petit cri-cri d'un gentil criquet. Mon plan est ruiné. Maintenant, je ne pourrai plus porter Baudruche à la parade. Regarde! Elle revient par là! J'y suis presque! C'est trop haut! Même ma vapeur la pousse encore plus loin. Attends une seconde! Et maintenant, elle est encore un peu plus loin. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser notre vapeur pour pousser ce ballon où on le désire. Mais même si on le pousse jusqu'à la ville, on ne l'attrapera jamais à cette hauteur. Alors c'est là qu'on improvise! Qu'on improvise? Oui! Tu sais, inventer au fur et à mesure. Bon, c'est d'accord. On improvise. Et si on pousse Baudruche vers la montagne Mirador, on pourra l'attraper par en haut. Mais avec quoi va-t-on l'accrocher au passage, Nia? Sandy et Carly ont des crochets. Oui, je vais les chercher. On vous retrouve le plus vite possible au sommet de la montagne Mirador. Merci, Kana. Viens vite, Thomas. On va passer par là. Un petit nuage par-ci. Et un petit nuage par là. Hey, regarde, Carly et Sandy sont là-haut avec Kana. On est là. Coucou. Salut, en bas. On y est. Donnons un dernier élan à Baudruche. 3, 2, 1. Décollage. Allez, viens. Plus haut que prévu. Pas de soucis. Je m'en occupe.